Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour entamer une nouvelle semaine de ce mois de juillet. Nous sommes lundi 22 juillet 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors pour commencer, petite philosophie du matin, n'est-ce pas? Petite pensée positive pour être heureux chaque jour. Et aujourd'hui, c'est leader. Un leader charismatique est quelqu'un qui parvient à obtenir des autres ce qu'il n'avait pas envie de faire sans les y avoir contraints. Voilà cette belle philosophie pour ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé accueillir la peur. Ah, ça, c'est pas facile. Accueillir la peur. Alors, ça va parler peut-être à certains d'entre vous, comme ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Accueillez la peur. La peur. Eh bien, la peur existe toujours en nous. Oui, elle a un rôle important à jouer dans notre vie et elle souhaite que nous écoutions son message attentivement, n'est-ce pas? Il faut vraiment rester positif en prenant du recul sur, eh bien, sur la situation et en se concentrant sur les aspects positifs de sa vie et sur chaque effort qui aide à surmonter la peur. Il faut peut-être faire un lâcher-prise en évitant de vouloir contrôler à tout prix, n'est-ce pas, sa peur, et en prenant conscience qu'il est impossible de tout prévoir, ni d'avoir, pardon, la main sur tout. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Alors, en ce moment, peut-être que certains d'entre vous, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent, eh bien, les décisions et les actions de votre vie. Cette carte, elle vient vous dire qu'il est temps de porter un regard, eh bien, attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur, eh bien, elle souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser, cette peur, dans vos élans de vie. Elle vous demande de l'accueillir et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous, renforcez votre confiance en la vie. Ça, c'est important. Prenez connaissance de vos peurs les plus profondes et nommez-les. Et au besoin, écrivez-les. Effectuez, par exemple, des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur pendant, eh bien, cette prochaine semaine. Alors, petit exemple, si vous avez peur de dire ce que vous pensez, eh bien, faites l'expérience de vous exprimer avec votre cœur et avec douceur pour vous familiariser avec cette peur. Imaginez si vous n'aviez pas peur. Que feriez-vous différemment? Qui seriez-vous sans cette peur?
Très beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Je termine avec la pensée positive. Je m'excuse, mais le chat est encore là. Voilà. La vie est un grand paradoxe. Il existe plusieurs points de vue dans notre univers. Mais le but ultime de l'aventure humaine est d'atteindre l'unité de la conscience, n'est-ce pas ? C'est le plus grand paradoxe de la vie. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel et puis profitez de chaque instant de votre journée. Ça aussi, c'est important. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à demain et je vous embrasse.